1er avril. Je suis au bout de la jetée de la digue du large de Bandol, la digue du port. Et la lumière ce matin est magnifique. Il y a un bon vent d'est, ça souffle bien. Et je suis venu filmer la mer, cette belle mer qui nous manque tant, et que nous allons retrouver avec grand plaisir. Et qui est belle aujourd'hui, belle, balayée par ce vent d'est, un beau soleil. On dirait que ben, y a beaucoup moins de pollution et que l'on voit bien mieux les détails. Là, les ambiers face à nous, alors à la caméra ça ne ressortira pas, mais à l'œil nu, on voit bien des détails que l'on voyait moins en temps plus pollué. Et là, donc je suis à 300 mètres de bateau, par arrêté principal à Bandol, on ne doit pas s'éloigner plus de 300 mètres. Enfin, de ce parti, oui, juste là. Et ce matin, je vais aller faire quelques achats de première nécessité en vélo. Et puis, comme mon attestation pour toujours, eh ben, je suis venu voir un peu la mer. J'ai un copain, on va voir le bateau d'un copain rencontré sur la Transat par hasard à Mindelo et qui est de Marseille, pas très loin de chez moi, et de Bandol. Alors je dis, ah bon, t'as un bateau, ouais, ah il est où? Ah bah non, non, et quelle panne, c'est où? Je suis à la baie, incroyable, on est à, voilà, à très peu de distance d'écart, à 100 mètres. Et là je vais aller jeter un coup d'œil à son bateau, voir un petit peu. Et le Tabasco? Ben, le Tabasco il est là, juste en face, là, voilà. Entre les deux. Entre les deux. Bien sagement confiné. Alors le beau voilier du copain Sonodyssée 409. Il est là. Performance, c'est Tigrou. Tigrou. Quel beau bateau. Quel beau bateau. Bon ben, tout va bien pour Tigrou. Les lentilles sont à poste, les amarres, nickel. Le petit groupe va très bien. Si un plaisancier regarde ces vidéos et de Bandol, bah, qu'il n'hésite pas à me contacter et j'irai voir son bateau. Bon, ça aussi je le redis, mais la cabine est en moins filtrée, très bien sur le top. Je passe plusieurs fois par jour à pied et en barquette. Et contrôle tous les amarrages tous les jours, plusieurs fois par jour. Ça, c'est bien. Il y a le seul habitant de la résidence ici du ponton, c'est Roger qui passe avec son chien. On va se croiser pendant ce confinement extrême. Il arrive. Bon, hier j'en ai fait. J'ai essayé, j'arrive plus. Faire le gainage un peu. Quand j'étais jeune, ouais. Ben, j'étais jeune, il y a 50 ans, j'arrive à faire ces 4 10 fois. 10 fois c'est 4. Mais au début, j'arrive à faire 4 c'est la force du temps. Ouais, voilà. C'est de la rigolade. Là, j'ai essayé, là, je me sens fort. Voilà, y a... C'est peut-être que je vois la glace et je me dis bon mon corps, mais qu'est-ce que tu fais les pommes quand tu fais des caisins? Ah, ma pomme est de chier, gars. Ça fait des caisins, bravo. Là, crois-moi. C'est bien. Bon alors, Roger, on l'aura compris. Le résident ici de la panne avec moi et. Comment il s'appelle déjà? Malco. Et Malco, voilà Malco. Malco! Et Malco, nous sommes les trois résidents de la panne pendant le confinement. Eh bien, on en a beaucoup plus. T'as pas le corona, toi, hein? Non. Hein? Allez. Mais nous, on a la chance d'être là. Eh ouais, on est bien, là. Putain, moi, je suis bien, moi. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. C'est le confinement de rêve. Même là où j'ai froid aujourd'hui, là, bien sûr, bien sûr. On respire pas dans le merde et tout. Super bien. Et puis, on est sûr d'être safe, on croise personne. Ah, ben oui, là. Après, t'auras perdu deux personnes. Il faut faire attention. Ben moi je suis pas encore allé à la vieille madame. C'est vrai? Oh Malco! Ah oui, lui! Oh le pauvre! Lui, il est comme ça, mais lui qui est pas du cœur, il est comme ça. Il y a de tout le monde. Allez à la maison! Allez, viens, bébé! Papa, il va faire la sieste! Allez, d'accord! Voilà, on vient de croiser les deux seuls habitants de la panne.
parmi la vingtaine de plaisanciers, paraît-il, au port en ce moment. Carnet de bord collectif partagé de plaisanciers français et européens et mondial. Bonjour, voici le carnet du jour, filmé en direct de ma terrasse. Voilà, alors là je suis venu sur la terrasse. Ici on a le droit, c'est chez nous. C'est pas que c'est chez nous, c'est que les pannes sont interdites, même pour les plaisanciers possédant leur bateau ici, peu cher, ils peuvent pas descendre voir leur bateau. Et nous deux, Roger et moi, et Malco, les trois, eh bien, on a le droit. Et puis en restant sur le ponton, là je suis à moins de 300 mètres du bord de la maison. Le Tabasco, il est où? Il est où le Tabasco? Il est là, le Tabasco. Il est là, on le regarde. Comme il est beau. Alors, il y a la couette à sécher depuis ce matin. Et les petites couvertures. Donc, tout va bien à bord. Il est magnifique. Oh, Tabasco, où tu vas? Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Stop. Voilà, petit sage. Il est gentil, ce Tabasco. C'est bien, mon gâté. Même comme tu obéis. Eh. Bon, aujourd'hui, il faut dire qu'il fait assez frisconné. C'est un vent d'est, là. Assez froid. Mais on est en plein soleil, on est bien, la lumière est magnifique, on l'a vu ce matin. Et ça souffle fort. Quoi. Bon Tabasco, je vais faire un tour, hein. Sois sage. Alors, eh bien, pour commencer, je voulais dire merci et bravo à tous. Bon, les messages, les séquences vidéo arrivent en quantité. Je vais parler fort parce qu'il y a beaucoup de vent et le son risque de ne pas être terrible. Désolé, je suis désolé par avance. Donc disais-je, ces séquences... non seulement nombreuses, mais pleines de gentillesse, d'amitié, de prévenance, d'altruisme pour tout le monde, les plaisanciers. On voit qu'on forme une belle communauté et moi j'aime beaucoup ça. Et à la fois dans les vidéos envoyées, mais aussi dans les commentaires. Voilà, les commentaires sont adorables. Voilà. Alors, première séquence. Oh, j'ai pris mon cahier là, parce que je ne peux pas tout retenir par cœur. Hein. Donc je ne vais pas faire hostile, je sais tout par cœur. Première séquence, nous partons fort loin, océan Indien, Réunion, rejoindre Philippe. Philippe, à toi la parole. Salut Pierrot, écoute, je suis Philippe, je t'envoie cette vidéo de l'île de la Réunion où je suis confiné, comme vous tous. Bon, c'est mon lieu de résidence principal. J'aurais préféré être sur mon bateau qui se trouve sur son ber au port du Gapo. Je devais venir en mai, évidemment, vu les événements, c'est revenir par un break. J'espère pouvoir venir en juin ou en juillet ou en août, on verra bien. Pour l'instant, ça se passe bien ici, il fait beau, il fait chaud, presque 30 degrés aujourd'hui. C'est un peu rageant de ne pas sortir, mais c'est comme ça pour tout le monde. Voilà, je voulais te remercier pour toutes tes vidéos qui m'ont tenu en haleine pendant bien des années et qui m'ont remis la palme au pied, si j'ose dire, et qui m'ont décidé à me racheter un bateau il y a 4 ou 5 ans. En effet, j'étais propriétaire d'un bateau il y a plus de 40 ans, pendant 4 ou 5 ans à Cannes, et j'avais navigué avec le long de la Côte d'Azur un petit peu. Et puis depuis, plus rien, je me contentais de faire du bateau avec des amis le long des côtes d'Afrique et puis du côté de Mayotte. Mais là, l'envie était trop forte et vu tes vidéos, je me suis décidé. Donc voilà, je voulais te dire un grand, grand, grand merci car c'est vraiment grâce à toi. Mon bateau au port du Gapo, écoute, le voici. Il m'attend et je me languis d'aller le retrouver. Donc à bientôt sur l'eau, j'espère. Le frigo marche, il y a toujours du pastis et éventuellement... il y aura aussi du bon rhum de la Réunion, si ça te tente. Allez, à bientôt et bon confinement à vous tous. Bien sûr, Philippe, avec plaisir que j'aimerais bien goûter à ton bord ce rhum venu de la Réunion. Alors, ton invitation, évidemment, que je l'accepte. Donc, de la Réunion, nous partons eh bien, à Toulouse. Toulouse-Montauban, rejoindre Robin. Robin, lui, excellent. Alors, Robin, il m'a fait rire. Ah ouais, Robin, à toi la parole. Toi, t'es excellent. Bon, mais Pierrot, bonjour. Robin, Toulouse, Montauban. Voilà comment on s'entraîne, voilà comment on passe le temps. Pendant le confinement, comme tu m'as demandé, finalement, je te fais ta petite vidéo. Donc voilà, moi, ma table à cartes de la maison, dans le sens de la marche. Toujours très important, le sens de la marche, le couloir. Je marche vers là-bas et j'ai la carte dans ce sens. Donc là, on est bien.
Donc on prépare la prochaine sortie dès qu'on va pouvoir, hein, un petit coucou à Marseillan. Hop, les temps de taux, on traverse cette et on redescendra sur Valras. Voilà, tranquillement, sur quelques jours. Il y a des mouillages sympas autour du Gros du Roi. Et voilà, donc on fait plein de calculs, on fait des routes, on prépare tout ça. Et surtout on tient le coup. Pour tenir le coup, moi j'ai deux astuces. Premièrement, éviter la déshydratation. Et deuxièmement, la tasse d'eau. C'est pas pour boire la tasse d'eau, mais je trempe les doigts comme ça un peu dedans. Et hop, je me mouille la figure, ça fait les embruns. C'est rigolo. Et pareil, j'ai ma petite corde là, je passe à côté, je fais un nœud, je suis content. Et voilà, comme on tient le coup, hein. Un peu de lecture sinon. On se prépare. De toute façon, on n'a pas le choix. Je suis au chantier, je me mets derrière la bétonnière, je tiens la roue de la bétonnière et je crois que je suis à la barre. Je suis content. Oh voilà. Allez, ben bon confinement à tous. Ah, j'ai bien aimé la table à cartes, toujours dans le sens de la marche. Le sens de la marche, c'est par là. Et l'eau, il trempe les doigts dans la chope, dans le mug. L'eau, ah non, pas fait pour boire l'eau. Allez, il va faire rire. T'es, Nénou, le voilier de mon pote René. René, la bise à toi. Je sais que tu m'appelles très très souvent pour prendre des nouvelles. Et ben, bon confinement à toi. Soyons prudents, sois prudent, continue comme ça. Donc de Toulouse, nous partons rejoindre Philippe qui est propriétaire d'un catch 43 pieds basé à Port-le-Cat. À toi la parole. Bonjour Pierrot, bonjour à tous, bonjour à tous les youtubeurs. Bon, je m'appelle Philippe. Et je suis à la retraite actuellement, en confinement. Ma compagne Patricia travaille. Jusqu'au 1er juillet, nous sommes propriétaires tous les deux d'un bateau, un joli catch de 43 pieds, basé à Port-le-Cat. Une construction amateur des architectes Joubert Denivelt. Et voilà. Donc nous sommes, on rénove un petit peu, mais il est en très bon état. On l'a acheté l'an dernier. Et nous allons vivre dessus à partir du 1er juillet 2020, si tout va bien. Si on n'est plus en confinement, et le but c'est pour faire un tour de la Méditerranée dans les 2-3 prochaines années, enfin au cours des 2-3 prochaines années, et également un tour du monde, voire une transat et une transpacifique. Voilà, actuellement donc confinement, donc je m'occupe comme tout le monde, j'essaye, je fais un peu de guitare, dessin, et bon là je suis en train de construire une capote de refondure pour le bateau, elle n'est pas terminée, je vous la montrerai peut-être. Quand elle sera terminée, et là j'ai fait deux plateaux pour mettre sous le roof également des chutes de contreplaqué marine qui me restaient. Donc, je vous les montre. Voilà, j'espère que vous avez bien vu, puisque bon, je suis pas un pro de la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Bon, Pierrot, j'adore regarder tes vidéos, j'espère te rencontrer un jour. Et bon, je vous souhaite tous bon courage, bon confinement, surtout restez chez vous, puisque c'est la meilleure solution en fait de ne pas être contaminé, de ne pas contaminer les autres, de pouvoir sortir au plus vite de ce confinement et de bon courage à vous et puis à bientôt. Bye bye. Philippe, maintenant, merci à toi. Les passagers du vent, de belles images, de très belles images de navigation en Méditerranée, prenant le large. Alors, évadons-nous un peu comme c'était au temps d'avant et comme ça le sera après-demain. La Méditerranée est si belle.
les passagers du vent. Merci, quelles belles images. Alors, mais de Méditerranée, nous montons en altitude. Nous allons à 1700 mètres, à Champs-Rousses très précisément, où nous attend Manu pour un très très joli petit film. Voilà où je suis confiné. Il y a pire. D'accord. Le spectacle tous les soirs. C'est magnifique. Des sapins, on est à 1750 mètres d'altitude. La station de ski de Champs-Rousses. C'est superbe. Et vous allez me dire, mais oui, c'est beau, mais bon, quel est le rapport avec la voile? Ben voilà. Le voilier. Little Bouchon. First 210. Qui est perché là sur la montagne. J'attends que la marée monte assez haut. Et puis voilà. Ciao, ciao. Manu, merci beaucoup. Alors, de là, de l'altitude, nous allons rejoindre les oiseaux. Et oui, pour un second petit épisode, un peu plus court, de Jean-Marie. Jean-Marie qui a quelques précisions à apporter sur la maison des mésanges. Oui, bonjour Pierrot, bonjour à tous. Écoute, je reviens vers toi parce que je ne sais pas si tu te souviens, mais je vous ai parlé de la maison à mésanges que j'avais installée. Alors là, je vais faire bref, hein, parce que je trouve que peut-être que j'avais été un petit peu trop long la dernière fois. Mais l'histoire de cette boîte à mésanges, il y a une suite, parce que je vous avais dit que les mésanges avaient récupéré leur bien laissé par des grimpeurs. Et puis, le lendemain de mon envoi de vidéo, je ne voyais plus d'activité dans le nid. Et puis, hier ou avant-hier, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu un grimpeur qui sortait du nid. Voilà. Donc, je me suis dit que les grimpeurs étaient revenus et que les mésanges étaient partis. Donc, j'ai imaginé un petit peu le dialogue qui s'est passé entre les mésanges et les grimpeurs, à savoir que quand le grimpeur est revenu, il a dit à la mésange, écoute... je comprends pas, moi j'avais pris le nid là, au début du printemps et la maison lui a répondu oui mais attends, tu l'avais quitté le nid donc on a pris ce qui nous appartient. Et donc le grimpeur qui est plus costaud, il a dit à la maison écoute, tu me remets tout en place là puisque tu avais tout enlevé et tu te casses parce que je vais te dire une chose, dans la vie, il y a deux sortes d'oiseaux, hein. Il y a ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Et toi, tu vas bien trop creuser. Voilà. Je pense que c'est le dialogue qui a dû se passer. Donc, bonjour les grimpeurs. Voilà, allez, à plus, bon confinement. Alors, la suite, devant Malta, le très beau first de mon ami Michel. Coucou Michel, confiné pas très loin d'ici, qui ne peut pas venir voir son voilier, mais je jette un œil de temps en temps. Et Malta, sur lequel j'ai tourné de très très belles séquences lors d'une navigation effectuée quelques jours avant le début du confinement avec Marouen, que je salue ici, Marouen tunisien vivant en Suisse, qui m'a envoyé une belle séquence, mais c'est en montage Marouen. Pas d'impatience. Donc ça, je vais le mettre, ça va un peu changer aussi, je ne sais pas quand, dans quelques jours. Donc, on en était à la maison des mésanges. La maison des mésanges, maintenant, oui, nous allons rejoindre un couple adorable, Patricia et Mano. Et Patricia et Mano vont nous expliquer leur mode de vie. Où vivent-ils et comment vivent-ils? Très sympa. À vous la parole, à tous les deux. Donc, bonjour, bonjour. Je suis Mano, ma compagne Patricia. Hello. Donc, nous vivons sur une vedette hollandaise. On est sur le canal du Midi. Pas trop loin du Somail, Port-la-Robine. Pas loin de Narbonne. Voilà, dans le coin de Narbonne.
Donc ça fait un bon moment qu'on te suit, Pierrot, parce qu'en fait, on a deux bateaux. Donc celui-ci sur lequel nous habitons et un voilier que je retape aussi qui est actuellement en cale. Donc je fais le carénage et puis divers travaux dessus dans le but de l'amener, de le ramener à la mer. Et donc voilà, je trouvais ton idée très très sympathique. Donc on s'est enfin décidé à se filmer, à t'envoyer cette petite vidéo parce que j'aimerais beaucoup te rencontrer bien plus tard. Sur... Quand on aura le voilier à l'eau. Voilà, quand on aura la possibilité, ça me ferait très très plaisir de te rencontrer. Et je trouve la communauté qui t'entoure aussi très intéressante, avec des gens très sympathiques aussi. Donc voilà, je voulais juste faire un petit aperçu. On est en confinement, mais on est quand même pas mal ici. Je pense qu'on est assez privilégié par rapport à certains. On est dans un très bel endroit. Donc je vais tourner mon téléphone pour essayer de vous montrer un petit peu notre cadre de vie. Voilà. Voilà, donc on est sur le canal. J'espère qu'on voit assez bien. C'est beau. Avec les allées de pins magnifiques. Voilà, je vais faire juste un petit passage sur notre bateau sur lequel on habite. Retour image. Voilà, donc ben écoute, on vous fait un gros bisou à vous tous, à toute la communauté. On pense fort à tous ceux qui sont confinés. Et puis voilà, donc prochaine vidéo, je vous amènerai sur le port juste à côté où j'ai mon deuxième bateau. Qui est actuellement en travaux, on essaiera de vous le faire partager, vous faire partager quelques images. Ça, voilà, salut Pierrot, et puis j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer un de ces quatre. Courage tout le monde, courage. Voilà, allez. Je voulais juste vous dire aussi que je suis chanteur-guitariste, donc peut-être que un de ces quatre, je vous ferai une petite chansonnette. Allez, salut à tous, bye bye. Ciao. Merci tous les deux, mais si mes renseignements sont bons, on va vous retrouver dans un tout petit moment. Voilà. Maintenant, une petite vidéo sympathique qui part d'une image d'un très bon souvenir, pour moi, Sardaigne 2018. Voilà, et qui va sur quelque chose de drôle. Allez, je spoil un petit dessin. Alors, tout cela est fait par M. Legros, je n'ai pas ton prénom, désolé. On regarde ça, c'est bien fait et bien dessiné. Bonjour Pierrot, voilà de superbes souvenirs. Et malheureusement, aujourd'hui, on en est plutôt là. À bientôt. Et bien de là, allons rejoindre Gauthier. Gauthier en Bretagne Nord. Gauthier, il a le moral, il a la banane, il a la pêche et pourtant, il va au boulot. À toi, Gauthier. C'est Gauthier de Bretagne Nord. Bon, un petit coucou de la voiture. Je suis pas confiné comme vous parce que j'ai le droit d'aller travailler. Travaillons dans l'alimentaire. On a nos laissez-passer. Bon, ça déjà, c'est une bonne chose. Moi, c'est un petit jour spécial parce que c'est mon anniversaire, donc ce soir, j'avais invité plein de copains. Mais je pense que ça va être un peu compromis l'histoire. Donc, on va se faire un petit punch par vidéo et ça va le faire comme ça pour cette année. Et on verra l'année prochaine. Bon, voilà, je vous fais à tous de très, très gros bisous. On tient le coup et à très bientôt sur l'eau. Ciao. Gauthier, bon courage si tant est que tu aies besoin de mes encouragements parce que t'as la patate, c'est bien. Eh bien, de Bretagne Nord, partons en Vallée de Chevreuse. En Vallée de Chevreuse, rejoindre Michel et Marvel. Allez Michel, à toi la parole. Parce que Marvel, lui, il peut pas. Non.
peux pas. Bonsoir Pierrot, bonsoir à toute la communauté. Je m'appelle Michel, lui c'est Marvel. Et nous habitons dans la vallée de Chevreuse, entre Rambouillet et Versailles. Que dire de ce confinement ? Mis à part le fait que je me suis coupé les cheveux tout seul et que je viens de m'apercevoir que c'était pas terrible, je le vis de façon différente par rapport à tous ceux qui t'ont posté des vidéos depuis que tu as eu cette très bonne idée de partage, puisque je passe quasiment toutes mes journées sur la route dans le cadre de mon activité professionnelle afin de distribuer du gel hydroalcoolique et puis des gants dans les magasins de mon groupe, qui est un groupe de grande distribution. On essaye dans la mesure du possible donc de protéger au maximum nos collaborateurs et puis bien sûr notre clientèle. Voilà, donc ce matin, pour exemple, j'ai traversé deux départements, j'ai croisé quasi personne, ça fait vraiment bizarre. Ça fait vraiment bizarre, on a hâte que cette crise se termine. Et maintenant, je n'ai qu'un objectif, c'est les vacances du mois de juillet, où je vais retrouver avec ma famille mon fils qui est en Corbière, dans l'Aude, et qui a un bateau à Gruissant, donc on va pouvoir en profiter un petit peu et non pas oublier, mais laisser toute cette crise derrière nous. Voilà, je vous embrasse tous, et puis protégez-vous, soyez prudents surtout. À bientôt. Bien, de Chevreuse, redescendons en bord de mer, en bord de Méditerranée, à Antibes. À Antibes, nous allons faire une visite, une belle visite, la visite de la SNSM 148, c'est-à-dire la vedette de la SNSM d'Antibes. Visite faite par Jean-Michel, mon pote Jean-Mi. Jean-Michel, on se souvient, c'était lui, la barre, ça vient de marche en bois là, et la longueur des bateaux en pied. Lui, il avait un bateau de deux pieds. Ça, c'était Jean-Michel. Allez, à toi la parole. Fais-nous visiter un peu cette belle vedette. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo de la SNSM 148. C'est une vedette de la SNSM, donc, qui est basée à Antibes, dans le 06. Et je vais vous faire visiter l'intérieur. En général, on les voit toujours de l'extérieur. Ben, là, je vais vous montrer l'intérieur, comment est fait une vedette. Et puis, au moins, c'est plus surtout ne venir jamais de dessus. Ça voudrait dire que vous auriez un problème. Voilà. Nous avons la trappe avec un zodiac intégré qui nous permet le treuil de remorquage. L'intérieur, il y a le poste de pilotage avec tous les instruments de navigation. Ici, vous avez le poste du navigateur pour la route et la radio, avec tous les instruments de radio. Ici, plusieurs sièges qui permettent à l'équipage de s'installer. Table à carte avec des VHF pour communiquer avec la radio. Ici, les gilets de sauvetage pour les personnes qu'on doit récupérer. Là, le brancard. On descend. Bon, les différents sacs pour transporter le matériel. Ici un petit frigo. Les différents matériels, ça c'est nos harnais. Ici les postes de secours avec nos casques. Matériel de secours. Ici c'est le local incendie avec les différentes pompes.
Voilà. Voilà, vous aurez visité l'intérieur de la SNS 548. C'est une vedette tout en haut qui peut aller jusqu'en Corse. On a deux moteurs de 375 chevaux qui nous permettent d'avoir une vitesse moyenne de 25 nœuds. Et puis pour dépanner tout le monde. Voilà, à bientôt, bye bye. Merci Jean-Michel pour cette belle visite. Eh bien, d'Antibes, nous partons près de Nîmes, dans la Garrigue, où nous retrouve, où nous attend plutôt, Patrice. Patrice, pour nous dire un petit mot. À toi, Patrice. Bonjour Pierrot, bonjour à tous. Ben, moi, c'est Patrice. Voilà, habituellement basé au port de la Grande Motte, j'ai un voilier Jeannot Rush. Et depuis maintenant quelques temps, grâce un peu à toi, parce que c'est toi qui m'as donné le virus. J'étais avant plus tiré par les bateaux à moteur. Et j'ai découvert la voile et le calme que ça procure. Il est bien fait grâce un petit peu à tes vidéos. Et après, bah, une fois qu'on y a goûté, on y a goûté. Voilà, donc je suis confiné comme beaucoup d'entre vous. Mon cadre de confinement relativement sympa, la Garrigue, voilà, je suis à quelques kilomètres de Nîmes. Quoi dire de plus, on passe le temps comme on peut. Voilà, donc le matin, dès 7h30, petite randonnée, à 1 km de la maison quand même, donc c'est pas très très loin, grand maximum. Une petite heure, et ensuite retour à la maison, on s'occupe un peu comme on peut. Aujourd'hui, j'aurai une occupation un peu supplémentaire, dans le sens où il faut que je déballe un paquet que j'ai reçu, car j'ai commandé une VHF pour mettre sur le bateau avec la IS. Alors, j'en avais une qui marchait très bien, je voulais la IS parce que ça m'arrive de rentrer des fois un peu la nuit, et voilà. Et donc c'est peut-être un peu plus pratique, voilà. Pour moi, je pensais que c'était un élément de sécurité. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Donc voilà, donc je vais monter ça dès que le confinement sera fini. Donc j'ai reçu le paquet aujourd'hui et je vais regarder. Donc ça, voilà, la préoccupation du jour. Autrement, un petit peu de télétravail à la maison. Et puis le reste du temps, je regarde les vidéos de Tabasco. D'autres aussi d'ailleurs, mais bon, surtout Tabasco. Car encore un grand merci à toi pour toutes tes vidéos, tout ce que tu peux nous rapprocher, nous ramener, parce que ton idée de vidéo en ligne partagée, je trouve ça très sympathique. Voilà, je trouve ça très sympathique. Et ça m'a incité à faire cette petite vidéo afin de faire un petit coucou à tout le monde. Un grand merci à tout le monde et un grand merci à ceux qui nous soignent, qui essaient de nous soigner le mieux qu'ils peuvent. Et ils sont courageux, ils ont beaucoup à faire. Donc un grand merci à tout le monde. Et puis à bientôt sur l'eau, j'espère, parce que ça me manque. Voilà, faut être honnête, ça me manque. Allez, bonne journée à tous. Bien, merci Patrice, ce grand polder fait de la Garrigue nous a fait du bien. Et allons retrouver maintenant notre... Bonjour. Donc comme promis, nous voici à nouveau, on est sur le port La Robine, on est vraiment tout près de notre bateau d'habitation. C'est pour ça qu'on a la chance de pouvoir aussi aller d'un bateau à l'autre. Donc nous sommes on va vous montrer notre voilier, Triskel, où je fais actuellement le carénage. Voilà, donc je tourne mon portable comme tout à l'heure. Voilà, lui il est déjà en confinement depuis un bon moment. Mano il travaille dessus depuis un bon moment parce que c'est un beau bateau qu'on veut remettre en état et qu'on veut ramener à la mer. Voilà,
Voilà, donc je crois que ma compagne a une petite chansonnette. De circonstances, et puis voilà, pour faire sourire tout le monde. Donc, bateau sans eau, confinement, confinement, bateau sans eau, heureusement qu'il y a Pierrot. Allez, ciao à tous, ciao Pierrot, Tabasco, à très bientôt peut-être. Salut. Salut. Vous êtes là, oui, et voilà la dernière séquence de cette production du jour. Eh bien, elle a un titre, elle s'intitule Le jour d'après. Le jour d'après, par Rénal, c'est une magnifique touche d'optimisme, parce que ça va arriver, c'est-à-dire le dernier jour du confinement, enfin le jour d'après la fin du confinement. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va faire la fête. Ça va se passer comme ça, tous, il faudra faire la teuf. Allez, on y va. C'est un peu d'anticipation, certes, mais ça fait du bien. Allez, confinez-vous bien. La bise à toutes et à tous. À demain.